Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous fais un déballage de 3 kits de Point de Croix comptés, OK? De la boutique Ami Shop sur AliExpress. Là, je vais vous dire tout de suite, là, il y en a peut-être qui vont dire qu'ils vont être puristes, là, puis qu'ils vont me... Ami Shop sont vraiment spécialisés dans... D'abord, c'est une entreprise familiale. Ça, j'apprécie. OK? Puis, c'est une boutique qui se spécialise dans... comment je dirais ça? Ils vont faire des kits de points de croix comptés de patrons qui étaient... ou de kits qui étaient disponibles avant sur Dimension. En fait, souvent, c'est des kits qui sont discontinués. OK? Alors, c'est plus possible de les avoir sur Dimension. Alors, à ce moment-là, eux autres, ils refont les kits. La différence avec Dimension, bien, le kit de Dimension, ça vient avec... c'est déjà du 14, du 16 ou du 18. Autrement dit, l'AIDA est déjà décidé. Vous ne pouvez pas décider du l'AIDA que vous voulez avoir. Puis là, ce que je suis curieuse de voir, c'est que je pense que à Dimension, il y a beaucoup de points arrière, mais je pense aux autres, ici, il n'y a pas de points arrière sur le kit. En tout cas, on va voir, OK? Moi, je vais vous dire, des kits de Dimension discontinués, là, c'est la folie. Il y en a un des trois là-dedans là, que je vais vous montrer. Là, c'est un pique-nique. Je l'ai vu sur eBay partir pour au-dessus de 200 $ canadiens. Alors, c'est des kits qui se vendaient à peu près 30 $ canadiens quand ils étaient là. Fait que je trouvais que c'était une mise aux enchères là, sur eBay, puis c'est parti à 200 $. Fait que moi, je n'ai pas de gêne, pas en tout. Si Dimension, ils ont discontinué, ben, puis il n'y a pas question de droit d'auteur ici, quoi que ce soit. Là, ça fait que... Alors, je montre mon premier kit. J'ai pris les trois kits en 18 cantes, OK? Alors, vous voyez, c'est marqué Ami Shop, et puis c'est une japonaise. J'en ai un kit de Dimension avec une japonaise qui ressemble à ça, mais là, on va voir, est-ce que c'est seulement du point de croix ou c'est un mélange de point de croix puis de demi-point de croix, je ne sais pas. Alors, naturellement, vous avez de l'AIDA ici. Il est déjà prêt. Ils ont mis une couture sur le bord pour éviter que... Ça, c'est une petite attention que j'apprécie. OK. Alors, vous voyez les couleurs. Alors, si vous avez les numéros de couleurs DMC, mais ce n'est pas du DMC, là. C'est du... du CXC, là, qui appelle. Alors, vous voyez, là, je vais vous montrer comme il faut. OK, ça. Ça ici. Oups! Allez! Puis, on a ça ici. Et, surprise, je ne m'attendais pas à ça, il y a du fil métallique. C'est toute la même couleur. Oui, 52-84, il y a quatre bobines de fil métallique. Vous avez ça, c'est quoi? Je me demandais c'était quoi cette affaire-là. Je ne sais pas. Vous avez les aiguilles. Vous avez ça ici, là. Ça, c'est de l'encre. C'est de l'encre qui part à l'eau. Alors, si vous voulez faire grider votre tissu, vous avez des instructions en anglais. OK? Elle vous explique comment faire point de croix, le demi-point de croix. Vous avez le point français. Comment attacher vos fils. Puis, comment faire les quarts de point, le point arrière, le point nœud. Puis ensuite, même, ils me parlent d'autres types de points. Mais ordinairement, il n'y en a pas dans leur kit. Alors, je vais regarder. Alors, c'est un 218 par 217 points. Autrement dit, c'est à peu près carré. OK. Et là, vous avez le patron. Il est imprimé vraiment sur un papier
Un peu glacé, il n'est pas tout à fait mort, OK? Je vous montre, c'est un partiel, vous avez des places où ce que c'est pas brodé. OK, je vais juste regarder, voir la liste des couleurs. Alors, ça se fait sur 12 pages. Vous avez quoi? 1, 2, 3, 4 pages de long, 3 pages de... Et vous avez... Alors, oui, OK, bon, ben vous avez du demi-point de croix. Ça, je suis contente. Du point de croix. Vous avez des mélanges de couleurs, comme il y en a chez Dimension. Ici. Ici, 5 brins, 2 brins, 5 brins. OK. Alors, des mélanges de couleurs dans le demi-point de croix. Des quarts de point, du point français, puis un point nu français, puis un point arrière. On a du point arrière avec 6. OK, c'est aussi pour le fil métallique. Vous avez... Bon. Alors, je regarde. Wow! C'est-tu parce qu'il y a des points spécialisés? Ah oui, il y a des points spécialisés. Regardez. Ici. Ici, vous avez du point... vous avez un point spécialisé ici. Vous avez des points spécialisés ici. Vous avez... Oh, ça va être beau! Il va être beau. Alors, ça, c'est le premier patron. OK. Regarde combien de couleurs. Je ne peux pas dire. Mais là, c'est difficile de dire combien de couleurs, mais vous avez tellement de mélange aussi, là. Mais il y a beaucoup de couleurs quand même. Si je regarde, attendez. Là-dessus, à part le fil métallisé, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 ici. 4, 6. Ah, j'en ai deux de ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 30 plus 14, mais j'en ai un ici que j'ai en double. Ça fait 43 couleurs différentes. Plus le fil métallisé. Ben, pas si pire, hein? Ça fait que. Hey, je l'aime. Wow! Je me demande c'est quoi ça? Attendez, moi je suis curieuse. Je l'ai vu l'autre jour, mais. Ah! C'est une enfileuse. Une enfileuse. Avec un petit motif, là. Fait que ça, vous insérez ça dans le. Vous avez un petit fil métallique ici, là. Vous l'insérez dans l'aiguille. Puis ensuite, vous rentrez votre fil dans cette petite enfileuse-là. Puis vous tirez. OK. OK. Ça fait que ça, c'est le premier. J'espère que vous le trouvez beau. Moi, je le trouve beau. Hein. Puis, il y a même le fil doré. Alors, je vais tout serrer ça tantôt. Le deuxième. Attendez. Prends celui-ci. Lui, ça fait longtemps que je voulais l'avoir. OK. Bon, comme je l'ai dit, moi, tous mes trois patrons, c'est tous du 18 ans. On va vous dire, c'était sur-emballé. Les trois paquets, chaque chose est entourée d'un plastique comme ça. Puis les trois ensemble, il y avait un autre plastique ensemble. Puis ensuite, il y avait un sac pour vous l'expédier. Fait que vous voulez être sûr que ça ne soit pas endommagé. Alors, on y va. Alors, bon. Ici encore, bon, c'est... On a le... L'Aïda surjeté, c'est beau. Un Aïda 1840. Vous avez les couleurs. Wow! Encore une fois, regardez les couleurs. Ici et ici. Fait qu'on a 39 couleurs. Le même kit que tantôt. Alors, le patron, c'est ceci, c'est Cozy B, OK? C'est un 324 par 162. Si on regarde le tissu, là, il est beaucoup plus... Je regarde, là. Ouais, il est pas mal...
pas si... Attendez, je vais vous le mettre plus haut, comme ça. Oups! Comme ça, vous voyez, là, il est beaucoup plus large que haut. Ça fait que... Alors, ça... Oups! Je l'ai pris comme ça, puis comme ça. Alors, 324 par 162. Alors là, je regarde encore. Moi, je regardais, regardez les symboles, comment ils sont clairs. Très, très clairs. Alors, le patron est sur 12 pages encore. Là, d'après moi, c'est 6 pages par 6 pages de large par 2 pages de haut. Je regarde, vous avez du point arrière. Du point arrière, faire les âmes. Mais ça, je ne pense pas qu'il y ait de points spécialisés comme celui de tantôt. Non, je pense pas. OK. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme couleur. On a-t-il des mélanges de couleurs? À la dimension. Alors, on a du point de croix avec des mélanges de couleurs. Du demi-point de croix. OK. Parce que moi, ce que j'aimais chez Dimension, là, puis je l'ai toujours aimé ça, là, c'est qu'ils peuvent garder la même couleur ici. Vous avez deux symboles différents. Vous avez le... Je vais vous montrer un petit peu plus proche, là. Attendez. Je vais vous le... Oups. OK. Gardez les... ici. Point arrière. Demi-point de croix. Vous avez deux symboles. Vous avez le 4 et le cœur, okay, que vous voyez ici. Okay. Ils sont toutes les deux la même couleur, 334. Mais maintenant, vous allez faire du demi-point de croix avec un brin. Puis là, vous allez faire du demi-point de croix avec deux brins. Okay. Ce qui fait que si on regarde le patron comme tel, je vais regarder voir où est-ce qu'on a les 4 puis le cœur. Attendez. OK, regardez ici. Vous avez du cœur, vous avez du 4. OK? Ça fait qu'à ce moment-là, bien, vous utilisez la même couleur, mais vous allez avoir un effet de profondeur qui va être causé par le nombre de fils de brins que vous utilisez dans votre demi-point de croix. Alors, c'est ça que j'apprécie. Alors, je reviens à ma liste. Alors, vous avez du point de croix avec des mélanges de couleurs, du demi-point de croix avec des mélanges de couleurs, du point de nœud. OK, attendez, je vous montre ça, mais je ne vous ai pas remis à... OK, du point de croix, du demi-point de croix, vous avez point de nœud, puis le point arrière. Puis, vous avez ici encore des instructions sur comment faire les points. Ne me direz pas que c'est pas beau, là. Hein? Ça fait que... Si vous trouvez ça pas beau, là, hey! Regardez l'image encore. Je vais vous rapprocher un petit peu. Regardez l'image. La bicyclette, les gens, là, qui sont habillés, là. On dirait un village amiche. Ça se peut que ça soit un village amiche. Ça fait que la façon qu'ils sont habillés. Alors, ou c'est un village amiche, ou c'est un village, mais c'est pas contemporain, parce que je pense pas que le monde s'habille comme ça, contemporain. Alors, on va regarder le troisième kit, qui est celui dont je vous ai parlé tantôt, le pique-nique. Encore dans un paquet en plastique. C'est un paquet en plastique, je ne le garde pas. Là, je garde juste dans ça. Déjà, c'est un plastique. C'est un plastique qui est très, 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 résistant. Bon, puis je vous montre l'image tout de suite. C'est un pique-nique. Ça, c'est un kit synthétique de dimension. Comme je dis, il est discontinué. Moi, je dis, ben, si Dimension voulait continuer à faire de l'argent avant, il y avait juste continué à l'imprimer, mais il a arrêté. Ça fait que, là, ben, comme dit, moi, je ne payerais pas 200$ pour un kit, c'est pas vrai, là.
Le seul kit de Pointe-Croix que j'ai payé 200$, là, c'est celui-là, le immense que je vous ai montré, là, Pointe-Croix imprimé, là, qui mesure la longueur de mon corridor. Là. Lui, il était à 200$, mais regardez la grandeur, puis regardez le. En tout cas. Fait que je vous montre ça. Ça, c'est encore du 18-40. OK, vous avez le tissu qui est surjeté. Oh, les belles couleurs. Oh, les belles couleurs. Alors, je vous montre ça. Ça ici. Et là, ça a l'air qu'on a 30, 40, 2, 3, 4, 5, 6. 30, 40, 47 couleurs. Ça ici. Ça ici. Okay. On a la même chose que les autres. La petite affaire ici, l'enfileuse est blanche au lieu d'être bleue. On s'en fout pas mal. Bon. Alors, ça c'est... Ah! Le patron est noir et blanc, lui. Presque tout noir et blanc. OK. Mais les symboles sont très, très clairs. Je vais vous rapprocher encore, que vous voyez. Les symboles sont super clairs. Ouais, vous avez des symboles en rouge, quelques-uns en bleu, mais sinon, bien, bon, vous voyez. Oups, attendez, je ne voulais pas mettre si loin que ça. Bon, vous voyez, beaucoup de points arrière. Et on est sur, ça doit être encore 12 pages. Non, c'est plus, non, c'est 12, 13, 14, 15, 16 pages. Je regarde le compte, c'est combien? 216 par 252. Ouais. Et encore une fois, vous avez... le point-croix, le demi-point-croix. Est-ce qu'il y a des mélanges? Il y a des mélanges dans le point-croix. Il y a des mélanges dans le demi-point-croix. J'en vois ici. Fait que vous allez voir comme un symbole ici. Là. Attendez si je vous rapproche. Regardez. Quand je dis qu'il y a des mélanges, mettons le X rouge ici. Là. Ben, il est fait avec... un brin de 472 et deux brins de 471. Puis c'est deux avocats gris, des verts avocats, puis ils sont pas mal la même teinte, là, étant donné que ça, c'est juste un chiffre de différence, là. Fait qu'il faut pas se tromper, là, en mettre un, l'autre de deux, l'autre de un, parce qu'il y en a un qui est ultra light, puis l'autre qui est very light. OK, un point arrière, un peu de pointe de nœud. Fait que c'est ça. Bien là, vous ne pourrez pas dire que ce n'est pas des beaux kits. Moi, en tout cas, moi, je les trouve beaux. Je pourrais toutes les commencer tout de suite. Mais regardez, ça fait que c'est tout pour ce déballage aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, suggestions, ils sont bien les bienvenus. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien, je gênez-vous pas. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye!